Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Morphol? Morphol, entendre du bruit! Regarde, Morphol, le Père Noël nous a apporté un cadeau! Cadeau! Qu'est-ce que ça peut bien être? Hein? Oh non! Cadeau parti! Morphol, regarde! Encore ces voleurs! Oh non! Ils aspirent les cadeaux! Oui, on est des voleurs! Et on aspire tous les cadeaux! Maintenant que c'est Noël, nous sommes les voleurs des cadeaux de Noël! Morphol, transforme-toi en avion pour qu'on puisse les poursuivre! Je n'en peux plus d'attendre. J'ai hâte d'ouvrir tous les cadeaux que les gens ont reçus cette année pour Noël. Ouais. Oh non, ils vont bientôt nous rattraper, Stein. Je sais comment nous pouvons nous en débarrasser. Oh, c'est mon cadeau de Noël! Oh non! Vas-y, Morphol! Waouh! Bonjour, Mila et Morphol. Oh, Père Noël! Tu as sauvé notre cadeau! Oui, mais les voleurs de cadeaux de Noël ont encore tous les cadeaux de la ville et je ne sais pas où ils les cachent. Dans quelques heures, ce sera le matin de Noël. Tous les enfants de la ville seront tellement déçus quand ils se réveilleront s'il n'y a pas de cadeaux sous le sapin de Noël. J'ai une idée. Et voilà. Il y a un autre cadeau. Ça doit être le dernier. Suivons-les. Attention, nous ne devons pas faire de bruit. Regarde-moi tous ces cadeaux. Oh, ouvre-les tout de suite. Oh, oh, oh. Vous voilà, voleur de cadeaux de Noël. Oh non, c'est le Père Noël. Allez, allons vite rapporter tous les cadeaux. Allons-y, Morphol. Merci beaucoup, Mila et Morphol. Grâce à votre aide,
tout le monde va pouvoir fêter Noël et recevoir ses cadeaux. Oh, j'allais oublier. Oh, merci, Père Noël. Ho, 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 joyeux Noël. Hein? Joyeux Noël, messieurs. Joyeux Noël. Bonjour, papa. Regarde, le Père Noël est venu. C'est plutôt cool. Morphle aime Mister Action. Tu ne serais pas un peu jaloux, Morphle? Le Père Noël n'a pas laissé de cadeau à Morphle. Il n'y a rien sous le sapin, sauf mes lunettes. Mais attends... Non, ce ne sont pas mes lunettes. C'est... celles du Père Noël. Oh, 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 non. Correctement. Morphle, Mila, sauve le Père Noël. Plus vite, Morphle, ou Noël cette année sera vraiment ruiné pour tout le monde. Oh, 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 oh. Mila et Morphle, merci de m'avoir sauvé. C'était moi une. Alors, avez-vous aimé vos cadeaux? Morphle, pas de cadeaux. Mais j'ai pourtant laissé un cadeau pour chacun de vous sous le sapin. Non, Père Noël, tu as juste laissé mon cadeau. Ah bon? Et aussi tes lunettes. Mes lunettes? Oh, sous le sapin? C'est donc ça qui s'est passé. Désolé, Morphle. J'ai dû enlever mes lunettes parce qu'elles étaient un peu embuées par le froid. Sans mes lunettes, je ne vois pas très bien ce que je fais. Et donc, j'ai dû mélanger ton cadeau avec mes lunettes. Mais attends. Voilà ton cadeau. Attends. Et voici ton cadeau, Mila. Quand j'ai enlevé mes lunettes, j'ai dû changer les étiquettes aussi. Eh bien... Oh là 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 là. Le cadeau de Morphle, c'est le... Ha!
Mon invention est prête. Venez voir. J'ai inventé un sérum de jeunesse dont je vais vous faire la démonstration sur mon assistant. Oh, il est si mignon! Un chiot! Attention à l'éprouvette, Marfel! Oh là là! Mais je ne sais pas comment m'occuper d'un bébé! Marfel, tu dois l'amener à son papa pendant que je prépare un antidote! Oh, bonté divine! Marfel! Il semble que j'ai la grippe et je suis incapable de travailler. Est-ce que nous pouvons vous aider, Monsieur Joe? Marfel aide. Ces véhicules doivent être livrés à leur propriétaire rapidement, mais arrête! J'avais cette liste. Je crois que c'est ce qui est écrit sur la liste.
Mais ça... Je suis désolée, officier de police Freeze. Mais nous sommes pressés. Salut, Millet et Morphel. Comment ça s'est passé? Tout a bien été livré, Monsieur Joe. Super. Est-ce que la liste a été utile? Eh bien... Oh, quel dommage! Moi qui voulais vraiment prendre en photo un caméléon, oh! Bien sûr! Les caméléons peuvent changer de couleur pour se camoufler, et ils deviennent très difficiles à voir. Ah! Wow. Morphle veut être caméléon aussi! Morphle, trouve pas caméléon! Regarde, par ici, Marvel. Oh, te cache vraiment bien. Oh, c'est une super idée. Jouons à cache-cache. Caméléon, est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec nous? Super, allons-y. 1, 2, 3. Okay.
les cache-cache. 1, 2, 3. Bonjour, Mila. Bonjour, Monsieur Gouache. Est-ce que je pourrais vous emprunter un peu de peinture et un pinceau? Oh, bien sûr que tu peux. C'est toujours super de voir les futures générations s'intéresser à la peinture. C'est vrai, je vais te donner des cours. Je suis prête. Caméléon, cette fois, c'est toi qui comptes et qui dois nous trouver. Ok, Marfel, arrête-toi ici. Hein? Maintenant, ne bouge surtout plus. Tada! Le caméléon arrive. Ne bouge pas, Marfel. Tu m'as trouvé. Mais tu dois quand même trouver Marfel. Marfel doué pour cacher aussi. Oui. Oh, te voilà. Et tu as le caméléon avec toi. Ah. Attends une seconde, oncle Wilfried. Oh, ça fera l'affaire. Merci, Mila. Maintenant, Merfel, j'aimerais bien faire une photo de toi en caméléon. Merfel? Je pense que Monsieur Kenneth va avoir besoin d'un docteur. Transforme-toi en ambulance, Marfel. On va vous emmener au zoo de l'hôpital, Monsieur Kenneth. Oh, merci, Mila. Oh, mon Dieu! On dirait que vous avez fait une sacrée chute. Venez donc avec moi. Je pense que ce sandwich a mal tourné. Est-ce que ça va, monsieur le maire? Eh bien, je me suis déjà senti mieux. C'est pas bon. Nous devons l'emmener aussi chez le docteur, Marfel. Transforme-toi encore en ambulance. Kenneth a besoin de beaucoup de repos, donc pas de bêtises en conduisant, Rudy. Laissez-moi deviner, vert de jalousie? Oh, mauvais sandwich. Suivez-moi. Entrez, je vais voir ça. Dix.
peux pas m'en empêcher. Ça me démange. Morphel, je pense que tu dois encore te transformer en ambulance. Ok. Et à partir de maintenant, faites plus attention à la nourriture avariée. Oh là là, quelle journée chargée. Ça me démange vraiment. J'en suis sûr. On dirait que tu as une réaction allergique. Viens avec moi. J'ai de la pommade pour ça. Ah! Tu vas bien, Morphel? On dirait que notre petit assistant a besoin d'un coup de main. Que passe-t-il? Quoi? Un dragon? Ce n'est pas un vrai dragon! Non, pas de dragon cracheur de feu dans ma ville! Allez, oust! Oui! Psst! Allez, oust! Morphel n'est pas un vrai dragon! Pas vrai, Morphel? Morphel? Personne n'aime Morphel! Coucou, Mila. Bah non. Je cherche notre nouvel animal de compagnie magique, Ampli. Il semble avoir disparu. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Le pouvoir magique d'Ampli, c'est qu'il peut rendre n'importe quel son plus doux ou plus fort. Et maintenant, tout le monde va pouvoir nous entendre partout. Oui, 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 oui. D'accord, mais maintenant, arrêtez ça. Non, vous allez arrêter. Oui, 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 oui. Ah, c'est tellement fort. Ah! Allons-y, Yann. Rendez-nous Ampli. Stan, Morphel n'est pas avec elle. Yeah. Et sans Morphel, absolument personne ne pourra plus nous arrêter. Mila! Morphel, à l'aide! Morphel, aide Mila! Morphel, arrive! Bouh! C'est drôle, Stan! Oui! Surtout ça! Morphel!
Pas la peine de s'inquiéter. Les dragons ne peuvent pas se boucher les oreilles. Morphel, transforme des protections pour tes oreilles. Oh non! Maintenant, on peut s'inquiéter. Fuyons! Morphel, utilise ton feu pour arrêter les bandits. Waouh! Le feu! Un seul dragon, c'est pas assez pour nous attraper. Morphel, pas assez. Attention! Oui. Oui. Vous n'avez pas le droit d'être aussi bruyant dans ma ville. Vous deux, direction la prison. Mila, Ampli. Oh, je suis soulagé que vous alliez bien. Je crois que j'avais tort à propos des dragons. Je n'aurais pas dû vous chasser. Ouais.